Dans le jardin du Maine, il est des lieux que vous n'avez pas encore découverts, des portes que vous n'avez peut-être jamais franchies. C'est pourquoi, le samedi 19 avril, aura lieu ces portes ouvertes. La mairie et les espaces verts vous font découvrir l'arrière-boutique du parc, de quoi assouvir votre curiosité. Le jardin sera ouvert donc au public de 10h à midi et de 14h à 18h. On pourra y découvrir au niveau de l'orangerie une expo photo sur le massif des Fables. On pourra aussi également visiter les serres, découvrir les différents métiers des espaces verts de la ville et faire une visite insolite donc du jardin du Maine. Donc on espère que cette journée sera très ensoleillée et que le public viendra nombreux et il est ouvert à tous. Lors du parcours insolite, le public apprendra quelques anecdotes sur le jardin, comme par exemple pourquoi de la forme en bois du petit pont. Alors pour cette première édition, trois agents du service des espaces verts vont revêtir leur casquette de guide. Ils vont pouvoir découvrir toutes nos serres, c'est-à-dire la production des plantes à massifs, pour les massifs en ville, les jardinières, les suspensions, les plantes vertes qui nous servent à toutes les décos, mariages, manifestations en ville, décorer les bureaux dans la mairie, et puis les taupières, c'est-à-dire toutes les fables de La Fontaine, et principalement cette année, celle qu'on a fait pour aller aux Floralies de Nantes. Le jardinier paysagiste doit connaître parfaitement les végétaux, leur développement comme leur entretien. Le métier nécessite aussi un certain sens de l'harmonie des formes et des couleurs. Tout cela, Loïc Jo prendra plaisir à le partager avec vous. Ça va faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas le métier de la production florale, le métier de jardinier, entre guillemets. Beaucoup de gens pensent qu'une fleur, on la met dans la terre et ça pousse tout seul. Eh bien non, il y a beaucoup de travail en amont, en aval, parce que ça se taille, il faut enlever les fleurs fanées, il faut arroser, il faut rempoter. Donc c'est leur faire découvrir tout le métier. Bouture, repiquage, taupière, si ces termes ne vous parlent toujours pas, une petite leçon s'impose. Alors partez enrichir vos connaissances en horticulture au Jardin du Maine le samedi 19 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.